Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència. Estem a punt de començar aquest primer congrés internacional Barnià aquí a Barcelona. Buenos días a todos, bienvenidos. Estamos a punto de empezar este primer congreso internacional sobre Verne aquí en Barcelona. Bonjour à tous. Nous sommes sur le point de commencer ce congrès international sur Jules Verne ici à Barcelone. Welcome everybody. We are starting the first congress, international congress about Jules Verne here in Barcelona. El primer que farem serà fer unes paraules de benvinguda per part de la presidenta de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica, la Mònica Rius, que és a la meva dreta, i el president de la Societat Hispànica, Jules Verne. Lo primero que vamos a hacer va a ser dar la palabra a Mónica Rius, que es la presidenta de la Societat Catalana d'Història de Ciència i la Tècnica, i Ariel Pérez, que es presidente de la Societat Hispànica Jules Verne, ambas entidades organizadoras de este congreso. La première chose que nous sommes en train de faire va être donner la parole à Madame Mónica Rius, qui est la présidente de la Société catalane d'histoire de la science, et à Monsieur Ariel Pérez, qui est le président de la Société hispanique Jules Verne. The first thing we have to do is let the speak to Mónica Rius, who is the chairman of the Catalan Society of History of Science, and Ariel Pérez, who is the president of the Société, the Society, Hispanic Society, Jules Verne. Bé, doncs comencem i ja cedeixo la paraula a Mònica Rius. En primer lloc, bon dia a tothom. C'est un peu annoyant de repetir toutes les choses en quatre langues. Entonces voy a ir saltando de lengua y así cada uno se coge un trocito y es menos pesado. On behalf of the Catalan Society of History, Science and Technology, you are very, very welcome to here to our Institut d'Estudis Catalans. So we are very, very pleased to have you these days here. És realment un honor poder acollir-vos. És el primer congrés internacional Bernià. Ha tingut un èxit realment espectacular. Ha sido un gran éxito. Y no querría dejar más palabras sin agradecer especialmente a todos los organizadores, a la Sociedad Hispánica Jules Verne, a la Societat Catalana Jules Verne y muy especialmente a el hombre que está en todas las partes, en todas las asociaciones, que es Pascual Bernat, y que trabaja casi tanto como Jules Verne, porque tiene una actividad realmente frenética, y por tanto no quería pasar sin agradecerle. Alors, Jules Verne, c'est un auteur mondial, c'est important autour du monde. Mon spécialité, c'est les études arabes, et, encore en arabe, et il est traduit en arabe, alors il est traduit en toutes les langues du monde. Et pour ça, c'est très important d'avoir un congrès Jules Verne ici. Malheureusement, parfois, l'académie ne se coupe assez ou beaucoup de Jules Verne. Alors c'est très important d'avoir ici ces congrès, d'étudier. Et pourtant, nous, la Société catalane d'histoire des sciences, nous sommes très heureuses d'accueillir ces congrès. And we think that this congress is very interesting in the point of view of the Catalan society, because we are searching links between the history of science
and other subjects. Sometimes academic subjects are a little bit isolated, and we like to link these different fields. And this is Jules Verne make us this very easy, because it's very interesting in the point of view of literature, of history of science, and other many aspects. So this is very, very important to us also as a Catalan society. Bé, després d'aquest poti-poti lingüístic, com que això més o menys és per donar-vos la benvinguda, una altra vegada, sigueu tots molt benvinguts, bona feina, bon congrés i felicitats als organitzadors ja d'avançada. Gràcies. Moltes gràcies, Mònica. I ara doncs, li cedim la paraula a l'Ariel Pérez, de la Societat Hispànica Jules Verne. ¿Ahora sí? Sí, ahora mejor. Bueno, repito, buenos días a todos. Básicamente hablaré poco, no va a ser un discurso muy, muy grande. Solo recordar las circunstancias en las que se previó el Congreso. Recuerdo hace aproximadamente un año, luego de fundar la Sociedad Hispánica, precisamente en junio del 2012, Pascual, acá a mi lado, nos propuso la idea de celebrar el Congreso acá en Barcelona, una ciudad que bien pudiera acoger la celebración de un Congreso verniano que, según mis conocimientos, desde 2005, que fue el último que se celebró en Amiens, no había un espacio, digamos, reservado para discutir un poco sobre el mundo verniano, sobre la investigación actual, sobre la actualización un poco de qué se está haciendo hoy en el mundo de Verne. Y realmente ha sido un año de organización, ha sido un año de hacer muchas cosas y de agradecer a muchas personas que han permitido que hoy estemos todos acá, que haya más de 20 comunicaciones en el Congreso, que haya representación de alrededor de más de 10 países, y que, bueno, estemos acá durante 3 días para poder discutir y poder hablar sobre la actualidad berniana. Contamos incluso en el Congreso con personas que han llevado la investigación berniana desde hace mucho tiempo, desde hace muchos, muchos años. Está Jean-Michel Margot, Volker D., está Piero Góndolo de la Riva, son personas que llevan alrededor de 30, 40 años, bueno, quizás, bueno, en el caso de Volker, de Piero, 50, ¿no es así? 52 años. En el caso de Jean-Michel, 60. A 52. Y Volker, que es el más joven, bueno, lleva mucho tiempo también ya en la investigación. Bueno, sencillamente decir que hemos llegado acá, espero que, o sea, acá a esta fecha donde haremos el Congreso durante 3 días, espero que todos disfrutemos de la estancia acá, que se pueda discutir, que se pueda aprender, que se pueda decir cosas nuevas. Vamos a tener como parte del Congreso yo en francés la palabra es panel. Creo que en España la palabra no se utiliza, aquí sería más bien debates. Vamos a tener 2 debates que van a estar protagonizados por Jean-Michel y Volker. Y en este caso se va a discutir sobre la investigación berniana, o sea, sobre la investigación de la hoy en día, sobre las fuentes secundarias de información. Vamos a tener 4 conferencias de Jean-Michel, Volker, Alain Berjat y Piero. Y bueno, lo importante es comenzar desde ya y que tengan un buen congreso. Entonces, bueno, no sé si debo hablar algo en francés para las personas que... ¿Eh? Unas palabras en francés. En francés, en inglés. Bon, je vais parler un peu en français pour résumer un peu ce que je dis avant.
Donc, bon, j'ai dit qu'on va voir dans les congrès 4 conférences. En fait, je vais commencer par dire qu'il y a un an, on a planifié les congrès. On a commencé à voir tout ce qu'on avait dans le futur. Et pour, on a fait un an. Pendant un an, on a organisé tous les congrès. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour accueillir toutes les personnes qui sont ici. Il y a plus de 20 communications. Il y a plus de 10 pays qui sont représentés dans les congrès. Donc, et à la fin, nous sommes ici, nous sommes tous ici pour apprendre un peu, pour partager les connaissances sur Jules Verne. Et on va voir dans les congrès 4 conférences. Ça, c'est la conférence de Jean-Michel, la conférence de Volcker. Il y a aussi Alain Bergeat qui va donner une conférence et Piero Gondolo della Riva. Donc, ce sont, il y a ici 3 personnes qui sont des personnes qui sont très, très connues dans le monde vernien, dont Jean-Michel, Pierrot et Volcker. Donc, il faut profiter de cette opportunité pour partager ces 3 jours qu'on va être ici et pour partager toutes les connaissances qu'on a et discuter un peu autour de la vie et l'œuvre de Jules Verne. Donc, bon congrès. Et. So, for the people who speak English, we are going to make like an introduction for the Congress. We have been planified the Congress just 1 year ago. We have the idea of organizing the Congress here in Barcelona, and the city is just like a beautiful city to organize this kind of event. So we have been 1 year to organize all the things we are going to put in place. We have the chance to have here Jean-Michel, Margot, Volker Dez, Piero Gondolo della Riva, which are 3 known persons in the Vernian world. So for all those people who are here, I wish to that everybody would be well here, just to share the knowledge of Jules Verne, and let the Congress start. Okay. Y en catalán se los debo. Ah, vale, d'accord. Bé, jo ja no allargo més la cosa perquè si no... Aleshores, benvinguts a tots una altra vegada. Bienvenidos todos al Congreso. Bienvenue, welcome and be happy among all the Vernian people here in Barcelona. Thank you very much. Moltes gràcies. Just a minute. No, porque olvidé, o sea, al final de decir toda la presentación del Congreso, olvidé agradecer a las personas las instituciones que han colaborado con este Congreso, ¿no? O sea, debo decir que en la organización del Congreso hubo 2 personas vitales. Fue el caso de Pascual y el caso de Nicolás Moragues, que es el secretario de la sociedad. 2 personas que se volcaron completamente en la organización del Congreso y que realmente hay que agradecerles profundamente el hecho de que estemos hoy acá. Y a las entidades organizadoras, el Instituto de Estudios Catalanes, la Sociedad de Historia de la Ciencia y la Técnica y la Sociedad Catalana Jules Verne. Esas son las entidades y las personas que contribuyeron al hecho de que nosotros podamos estar aquí hoy en Barcelona comenzando el Congreso durante 3 días. Okay. Molt bé, doncs vinga, una altra vegada, benvingut a tothom. Vinga.
Tu veux parler de présenter le... Vas-y. Donc, ça c'est Jean-Michel Margot qui va commencer les congrès et en fait, il va parler sur l'histoire d'études vernéennes. Donc, il va donner sa conférence en français pour toutes les personnes qui sont ici. Bon, j'espère que vous pouvez comprendre la conférence. On donne la parole à Jean-Michel pour parler de l'histoire des études vernéennes. Jean-Michel Margot. Merci. Bonjour. Muito bom dia. Il a semblé judicieux et approprié de débuter ce congrès par un résumé de l'histoire des recherches à propos de Jules Verne. Nous allons donc consacrer l'heure qui suit à survoler à peu près 150 ans de recherche vernienne. Plus de 100 ans après la mort du romancier le plus traduit au monde, il est possible de tracer une histoire des études verniennes non seulement en francophonie, mais pour l'ensemble de la planète. Peu d'écrivains comme lui ont connu une célébrité permanente et un déferlement de dérivés utilisant son nom et son œuvre. Un simple exemple, Nina Ricci, IBM, Nestlé, Toshiba, Velosolex, Waterman et bien d'autres sociétés commerciales ont utilisé les mythes et archétypes nés autour de son nom et de son œuvre pour vendre leurs produits et leurs services. Déjà du vivant de Jules Verne, des papiers peints représentant l'aveuglement de Michel Strogoff ou la grotte aux serpents du Tour du Monde en 80 jours décoraient les chambres de la bourgeoisie française. À cause de ces produits dérivés et des éditions pour la jeunesse, abrégées, mutilé jusqu'à paraître infantile, Jules Verne a continué à être lu et son nom n'a pas disparu dans un oubli temporaire. Verne a été et est traduit en une centaine de langues environ et son lectorat couvre la planète. Le site de notre collègue et ami Garn de Vries mentionne exactement 95 ou 75 langues. Mais ce n'est réellement que depuis une cinquantaine d'années que l'auteur des Voyages extraordinaires est l'objet de travaux de recherche importants et de découvertes parfois surprenantes et inattendues. Déjà de son vivant, Jules Verne a été reconnu comme un écrivain à part entière par des géographes et des écrivains comme Vivien de Saint-Martin ou Gaston de Saint-Valery. Vivien de Saint-Martin, collègue de Verne à la Société de géographie de Paris, est mentionné deux fois par Paganel dans « Les enfants du capitaine Grant ». Consacrons une ou deux minutes à Gaston de Saint-Valery, dont je n'ai pu d'ailleurs trouver aucun portrait. Contemporain de Jules Verne, il était rédacteur du quotidien Le Patriote. Il est le premier critique à avoir reconnu les qualités d'écrivain de Jules Verne, bien avant que ce dernier ne devienne un auteur pour enfants et un prophète technologique. En 1875, Saint-Valery publia dans Le Patriote ce texte d'une modernité étonnante. Je tente de me rendre compte des principes générateurs de l'originale et poétique création de M. Jules Verne, et je ne crois pas me tromper en indiquant comme le plus essentiel le contraste de ce besoin de merveilleux, toujours latent dans le cœur humain, avec les excessives prétentions scientifiques et positives du temps actuel. Il est visible que ce contraste l'a profondément ému. Si j'avais à parler d'œuvres moins connues, moins populaires, dans la meilleure acception du mot, j'aurais l'obligation d'insister sur la variété admirable, sur les ressources étonnantes, sur l'étendue d'informations et de savoirs qui caractérisent cette création romanesque. À mon avis, depuis Balzac, notre littérature imaginative n'a rien produit de plus original et de plus attachant. Monsieur Jules Verne a imaginé en effet des ressorts, des passions et un genre d'intérêt auquel personne n'avait songé. Mais il l'a fait plus, et ceci est la marque du véritable artiste et du créateur, il a donné la vie à des personnages dont la physionomie ne s'oublie plus.
qui ont conquis leur place dans cette population idéale créée par l'esprit humain et au milieu de laquelle l'imagination et la mémoire se promènent avec plus de certitude que parmi le catalogue des personnages réels et historiques. Ne voyez-vous pas vivre le docteur Lidenbrock, le fantastique docteur Ox, Phileas Fogg, Michel Ardan, l'ingénieur Cyrus Smith, le dernier venu de cette amusante encyclopédie? Enfin, par-dessus tous les autres, ne vous êtes-vous pas attaché à l'énigmatique capitaine Nemo, le patron du Nautilus, un Lara sous-marin? L'image du prophète prédisant l'avenir de machines fantastiques et l'étiquette d'écrivain pour enfants naissent déjà du vivant de l'auteur. La bibliothèque des succès scolaires de Hetzel et les livres de prix encouragent le public à voir en Jules Verne un romancier pour la jeunesse. Et ce n'est pas Hachette, qui rachète Hetzel en 1914, qui va mettre le holà, bien au contraire. Pendant le demi-siècle où Hachette est seul à posséder les droits en France pour publier Jules Verne, l'éditeur ne se fait pas faute de l'insérer dans toutes ses collections pour la jeunesse, avec la Bibliothèque verte en fer de lance. Il faudra attendre que Verne tombe dans le domaine public pour que ses œuvres soient rééditées et que cette circonstance permette à la recherche vernienne de prendre son élan dans les pays francophones. En France, la première biographie de Verne est publiée 3 ans après la mort du romancier, écrite par un de ses amis et collègues de l'Académie d'Amiens, Charles Lemire. Mais il faudra attendre 1928, le centenaire du romancier, pour que sa vie soit mensongèrement figée pour plus d'un demi-siècle par un membre de sa famille, Marguerite Allotte de la Fille. Cette biographie a connu des éditions successives, a été traduite en plusieurs langues et a constitué pour les journalistes et passionnés de Jules Verne la base de leurs connaissances jusqu'à la réévaluation littéraire de Jules Verne après la Deuxième Guerre mondiale. Nul n'est prophète en son pays, et Verne ne fait pas mentir le proverbe. La première biographie non francophone paraît en 1909 en Allemagne, due à Max Pop, et la première thèse de doctorat sur Jules Verne en 1916 en Allemagne aussi, dans laquelle Hans Bachmann classe et étudie les termes anglais employés par Jules Verne dans son œuvre, un Jules Verne qui ne maîtrisait pas l'anglais. Verne ne se faisait pas d'illusions au sujet de la qualité des traductions de ses romans. En 1886, le périodique Puck publia ce dessin satirique intitulé « The Pirate Publisher » qui illustre l'absence de loi sur le copyright. Ce document a été découvert par Philippe Burgot. À gauche, les Américains, dont le plus connu est Mark Twain. À droite, les Anglais, dont Tennyson, Browning, Stevenson, Lewis Carroll. Au fond, les Allemands, avec Freytag et Ebers. Et finalement, les Français, coincés entre les Allemands et les Britanniques, Émile Zola, Victorien Sardou, Alphonse Daudet, Jules Verne. Foulant la loi du pied, s'enrichissant sur le dos des écrivains, l'éditeur pirate est couvert de dollars. Tous les écrivains de la deuxième moitié du XIXe siècle sont là, souffrant de l'absence de loi sur le copyright. Et voilà notre ami Jules Verne montrant du doigt l'éditeur pirate. Il s'en plaignait d'ailleurs dans ses entretiens avec des journalistes lui rendant visite à Amiens, disant qu'il n'y avait rien à faire pour faire respecter ses droits et ceux d'Hetzel à l'étranger. Dans une lettre de fin 1897, il écrit à son jeune correspondant Mario Turiello : Je ne suis point surpris que les traductions dont vous me parlez soient mauvaises. Cela n'est pas spécial à l'Italie, et en d'autres pays, elles ne valent guère mieux, mais nous n'y pouvons rien, absolument rien. Les traductions anglo-saxonnes illustre parfaitement le propos de Jules Verne. Traduits en anglais peu après leur parution en France,
Les romans de Jules Verne inondent les marchés anglais et américains. La plupart du temps, ce sont des volumes tronqués, malmenés par le traducteur ou la traductrice qui en modifie le titre, les noms des personnages, leur nationalité, suppriment des paragraphes et chapitres entiers qui pourraient lasser le lecteur, ou pire, qui se permettent de critiquer l'Empire britannique et son comportement colonial. Les premières traductions sont anglaises, les Américaines n'ayant vu le jour que plus tard. Ou même, plus rarement, même ajoutent des chapitres et des paragraphes de leur propre cru. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, quelques tentatives sont faites pour promouvoir l'étude de l'œuvre de Jules Verne. Le 2 octobre 1921, un groupe d'une dizaine de cadets de l'école navale de Dartmouth, en Grande-Bretagne, fonda une société d'étudiants à laquelle ils donnèrent le nom de Jules Verne Confederacy, publiant un périodique, Nautilus, dont on peut suivre la trace jusqu'en 1928. Ce groupe avait demandé à Michel Verne, le fils de Jules, d'être son président d'honneur. L'étude de l'œuvre de Jules Verne était un des buts de cette société. Les deux membres les plus importants de cette Confederacy ont publié deux romans de Jules Verne en un volume chez Dent à Londres et Dutton à New York en 1926. Ils ont tous deux signé la préface où ils mentionnent leur Jules Verne Club. Et l'un d'eux se nomme Chancellor. L'année 1928 se passe à commémorer le centenaire de l'écrivain, aussi bien à la Société de géographie de Paris qu'à celle de Lisbonne. Là, la célébration eut lieu le 29 décembre 1923 déjà. Par la même occasion, on y commémora le 60e anniversaire de la parution de « Cinq semaines en ballon ». En Italie, dans plusieurs articles, Fernando Rica célèbre non seulement le centenaire de l'écrivain, mais aborde déjà des termes aussi controversés que la religion et les questions sociales dans l'œuvre de Jules Verne. En 1928, paraît la biographie romancée de Marguerite Alotte de la Fuille, biographie qui va constituer la base de toute une culture populaire sur Jules Verne. Encore aujourd'hui, des journalistes répètent les mensonges et légendes créées par cette affabulatrice. Des biographies paraissent en Belgique en 1935, en Grande-Bretagne en 1940, en France en 1941, aux Pays-Bas et aux États-Unis en 1942, toutes marquées par l'empreinte de Marguerite Alotte de la Fuille. Apportant de l'eau au moulin d'une légende tenace, celle de Jules Verne, écrivain prophétique. En 1936, paraît un ouvrage au titre significatif. Il a été immédiatement traduit en portugais après sa traduction en français. Aux États-Unis, Willis Hurd, qui avait correspondu avec Jules Verne en 1897, lança un appel aux collectionneurs et lecteurs de Jules Verne américains en publiant un article dans Hobbies en août 1936. Hurd s'y plaint déjà de la mauvaise qualité des traductions anglo-saxonnes. L'American Jules Verne Society naît officiellement en 1940 et tient sa seconde réunion en 1942. On y trouve des critiques comme James Iraldi, Nat Benjis, David French et Lloyd Jacquet, qui réagissent par des comptes rendus pertinents après la publication des deux biographies de Alott et Waltz. Malheureusement, aucun périodique n'a matérialisé l'existence de la société américaine qui ne survit pas à la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'événement le plus important pour la recherche vernienne future eut lieu en mars 1935, quand Jean Guermont-Pré, consul de France à Liège, en Belgique, décida de fonder une société Jules Verne.
Il contacte d'abord Cornelis Helling, collectionneur néerlandais, puis s'entoure de sympathisants et d'érudits comme Raymond Tin, Yvan Tournier, Charles Dollfuss, Edmond Géhu. Deux professeurs italiens se joignent au petit groupe français, Mario Turiello et Edmondo Marcucci. Les statuts sont déposés le 31 juillet 1935 à Paris. D'autres personnalités viennent se joindre au premier noyau. Jean Charcot, le prédécesseur de Paul-Émile Victor dans les régions polaires, et qui périt avec son pourquoi pas au large de l'Islande avec une collection de Jules Verne à bord. Jean Cocteau, André Siegfried, Louis Lumière, Charles Richet. Dès novembre 1935 et pendant 3 ans jusqu'en décembre 1938, la Société Jules Verne publie un bulletin trimestriel. Écrivant sous le pseudonyme de Jean Varmont, Guermont Pré réussit à publier ainsi plus de 600 pages de documentation pertinente. Guermont Pré mérite pleinement le qualificatif de pionnier de la recherche vernienne. La guerre va interrompre l'activité de la Société Jules Verne qui se met en sommeil. Le bulletin cesse de paraître, mais Jean Guermont Pré ne faiblit pas. Il entretient une correspondance avec Cornelis Helling et d'autres spécialistes de Jules Verne, ainsi qu'avec des membres de la famille Verne. Il réunit une collection d'informations et d'articles sous forme d'un fascicule, 12 ans de silence. Il faudra attendre 1965 pour voir la Société Jules Verne renaître. Elle va constituer jusqu'à aujourd'hui l'épine dorsale de la recherche vernienne dans les pays francophones. En 1949, un périodique littéraire consacre, et c'est une première, un de ses numéros à Jules Verne. Les auteurs des articles se nomment Michel Butor, Michel Carouge, Maurice Fourré, Raymond Schwab, Louis-Paul Guigues, Georges Bourgeot, Pierre Deveau, Jacques Boudet, Antoine Parménie. Tous cautionnés par une lettre de Raymond Roussel à Michel Léris. L'article de Michel Butor est souvent considéré comme le point de départ des études modernes sur Jules Verne. Au début des années 1950, les descendants de Pierre-Jules Hetzel, le père, et de Louis-Jules Hetzel, le fils, déposent à la Bibliothèque nationale française les papiers des éditeurs. Parmi ces papiers figurent plusieurs centaines de lettres de Jules Verne. C'est le premier pas vers une mise à disposition des chercheurs d'autre chose que les œuvres alors disponibles. L'année 1955 célèbre le centenaire de la mort avec son cortège d'articles et d'études plus ou moins bien documentés. 3 revues consacrent un de leurs numéros à Jules Verne. Europe, Livre de France, Fiction. Les articles fort pertinents de ces périodiques constituent encore aujourd'hui une des bases sur lesquelles la recherche vernienne s'appuie. Et 1951 est aussi l'année de parution du premier ouvrage de recherche sérieuse sur Jules Verne. Écrivain toujours absent du domaine public et de la littérature française. Sous la plume d'un membre du barreau parisien, on y trouve une classification des voyages extraordinaires selon des critères aussi variés que la nationalité des personnages, les lieux de l'action, les villes, la cryptographie, la folie, par exemple. L'ouvrage a été remanié et publié sous un nouveau titre en 1955, année du cinquantenaire du décès de Jules Verne. Pendant les dernières années 1950, et Jules Verne n'est toujours pas dans le domaine public.
sur la lancée du cinquantenaire de la mort de Verne et de la diffusion des deux films de Richard Fleischer, Vingt milieux sous les mers, le film de Disney, et de Michael Todd, Le tour du monde en 80 jours, 1954 et 1956, les deux titres les plus populaires de Verne. De nombreux articles paraissent sous la plume de spécialistes de science-fiction comme Ray Bradbury, Jean-Jacques Briden, Anthony Boucher, Jacques Van Herp, ou de chercheurs comme Marc Soriano et Marcel Moret en France, Robert Pourvoyeur en Belgique ou Eugène Brandis à Moscou. En 1958, débute simultanément en Grande-Bretagne et aux États-Unis la publication presque complète des Voyages extraordinaires sous la direction de Idris Ibn Oliver Evans, qui préface chacun des ouvrages. Sous le titre générique de Fitzroy Edition, cette collection apporte un certain nombre de titres pour la première fois au public anglo-saxon. Malheureusement, la traduction n'est pas fiable et les textes abrégés. Le coup de tonnerre aura lieu en 1960, avec le premier livre de Marcel Moret sur Jules Verne. Cautionné par Gallimard, présentant Verne comme un écrivain, Moret découvre des sens cachés, une psychologie bien plus profonde qu'une première lecture pourrait attribuer aux seules aventures des héros des Voyages extraordinaires. Mais Moret a encore davantage à dire et il récidive en 1963, toujours chez Gallimard. La recherche sérieuse peut démarrer. D'autant plus qu'en 1966, Jules Verne tombe dans le domaine public. Deux éditeurs suisses se précipitent dans la brèche, la nouvelle bibliothèque à Neuchâtel et rencontre à Lausanne. Si la première collection contient une douzaine de volumes seulement, préfacée par le polygraphe valaisan Maurice Métral, dont les affirmations n'ont rien de contrôlé et sortent le plus souvent de son imagination, la deuxième collection reste encore la seule édition complète, moderne, des œuvres romanesques de Jules Verne. Cette collection de 49 volumes est si complète qu'elle mérite de s'y attarder un peu. Deux volumes contiennent l'édition originale de Edgar Poe et ses œuvres et le conte de Chantelaine, jamais publié sous forme de livre auparavant. Chaque volume est préfacé par Gilbert Sigaud pour les 9 premiers et par Charles-Noël Martin pour tous les autres. Non content de s'être fait un nom comme physicien nucléaire et avoir correspondu avec Einstein, Martin s'est passionné pour Jules Verne, soulevant des voiles et se posant chaque fois des questions quand il le pouvait. Il a été le premier à indiquer l'importance des contrats entre Hetzel et Verne, à découvrir des amours de jeunesse, à débusquer la maîtresse de Verne. Par sa deuxième biographie et surtout par sa thèse de doctorat d'État, Charles-Noël Martin, après Jean Clermont-Pré, restera comme le deuxième pionnier de la recherche vernienne. Débutant en 1966 avec Le tour du monde en 80 jours, le livre de poche en France, reprenant les planches et la pagination de Rencontres, a aussi publié la plupart des romans verniens à un prix abordable. Chaque volume avait sa couverture en couleur illustrée. Plus tard, dans les années 1990, la couverture se normalisa avec son cadre rouge caractéristique et une illustration en noir et blanc au centre. Pardon. Le catalyseur de la recherche vernienne
va être la renaissance de la société Jules Verne en 1965. Sous la présidence de Joseph Lessus, qui décède en 1969 et dont la collection Jules Verne fut transférée en 1971 à la bibliothèque municipale de Nantes. Lessus fut remplacé par Olivier Dumas, qui, avec son caractère peu enclin à la conciliation et refusant toute contradiction, a fait de la société Jules Verne le creuset de la recherche vernienne. Cornelis Helling et Étienne Cluzel assurent la transition avec la société d'avant-guerre, Jean Guermont-Pré étant décédé en 1959. Il y a quelques mois, Jean-Pierre Albessard a repris la présidence de la société. En 1967, la société débute la publication de la nouvelle série du bulletin à la cadence de 4 numéros par an. Les chercheurs verniens étant, presque par définition, membres de la société Jules Verne, non seulement les francophones, mais aussi les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Américains, etc., le bulletin leur offre une estrade pour faire part de leurs découvertes et de leurs recherches. Plusieurs personnalités des mondes littéraires et scientifiques, souvent académiciens, soutiennent les efforts de la société. André Brion, Joseph Kessel, André Chanson, François Mauriac, Raymond Queneau, Paul-Émile Victor, Norbert Casteret, Haroun Taziev, Jean Orcel, Théodore Monod, Pierre Versin, auxquels sont venus s'ajouter des spécialistes de Jules Verne comme Francis Lacassin, Jean Chesneau et Charles-Noël Martin. Au cours de 45 années d'existence, la couverture a été modifiée plusieurs fois et le numéro 100 s'est vu orné d'une couverture en couleur avec la publication d'Edom. En parallèle avec les activités de la société Jules Verne, paraissent des ouvrages de recherche vernienne dus à des chercheurs comme Marie-Hélène Huet ou Michel Serres. Des biographies paraissent en Tchécoslovaquie, aux États-Unis et en Angleterre. Evans, celui de la collection Fitzroy en anglais, publie la sienne en 1965 sous le titre « Jules Verne, The Man and His Works ». Parallèlement à la société Jules Verne, se développe à Amiens le centre de documentation créé en 1972 par Daniel et François Compère dans le garage familial. Le centre se développe sous l'impulsion de toute la famille. Après quelques années, Daniel et François sont remplacés par leurs parents, Cécile et Maurice Compère, qui vont faire du centre une entité telle que 25 ans plus tard, celui-ci peut répondre aux questions de chercheurs du monde entier en offrant une collection de plus de 15 000 documents allant de la simple photo ou coupure de presse à une biographie en russe sur Jules Verne. Pendant 11 ans, de 1985 à 1995, le centre publie 36 numéros d'un bulletin, JV, ou Jules Verne, où ont paru quantité d'articles de spécialistes, de chercheurs et d'universitaires tant français qu'étrangers. Avec le bulletin de la Société Jules Verne, ancienne et nouvelle série, le JV d'Amiens constitue une source d'information indispensable aux chercheurs. En 1996 commence une période de transition qui va peu à peu remplacer la famille Compère par des personnes plus jeunes, peut-être excellentes au niveau administratif, mais de plus en plus incompétente dans le domaine de la recherche vernienne. Dès 1996, le centre remplace le JV, à l'allure désuète et artisanale, par la revue Jules Verne, dont 16 numéros avaient paru à la fin de 2003. La métamorphose s'achève en 2000, où le centre abandonne la documentation pour devenir tout simplement le Centre international Jules Verne, qui, malgré son titre, a refusé de publier en anglais deux articles de chercheurs américains
dans son numéro 15 consacré aux États-Unis, elle les a traduits en français. Une troisième entité française se met en place, cette fois à Nantes, où la bibliothèque municipale, dirigée dès 1963 par Luce Courville, avec la collaboration de Colette Gallois et Claudine Saint-Lô, héberge dès le milieu des années 1970 le Centre d'études verniennes avec Christian Robin. Dès 1955, avec une exposition commémorant le cinquantenaire de la mort de l'écrivain nantais, suivie par d'autres expositions en 63, 66, 70 et 75, sa ville natale va développer un projet de musée Jules Verne qui verra le jour en 1978, année du 150e de sa naissance. En 1981, la municipalité de Nantes acquiert les manuscrits de Jules Verne dont la famille souhaitait se défaire et que le gouvernement français voulait voir demeurer en France. La même année débute la publication des cahiers du Centre d'études verniennes et du musée Jules Verne, qui va connaître 13 numéros jusqu'en 1996, moment où la revue Jules Verne d'Amiens prend le relais. Quatrième périodique français consacré à Jules Verne, les cahiers ont publié, à l'instar du bulletin de la Société, de JV et de la revue Jules Verne, de nombreux articles et de recherches et de nombreux textes inédits de Jules Verne. Un cinquième périodique, ou plutôt apériodique, a commencé sa carrière en 1976 aux Lettres modernes chez Minard. Sous le titre « Série Jules Verne », 8 numéros ont paru jusqu'en 2004, les 6 premiers sous la direction de François Raymond, auquel a succédé Christian Schelbourg pour les volumes suivants. Le but de cette collection, dans l'esprit de François Raymond, aussi bien que chez l'éditeur, était de faire entrer Jules Verne dans la cour des grands écrivains. Le 6e numéro s'ouvre par un hommage de Christian Schelbourg à François Raymond. En dirigeant cette série avec une rigueur et une finesse exceptionnelles, M. Raymond en fit dès le premier numéro, paru en 1976, l'organe où se concentrait le meilleur de la recherche vernienne. Et il contribua ainsi, avec efficacité, à l'une des œuvres qui lui tenait le plus à cœur, la réévaluation littéraire de Jules Verne. Les titres de ces 8 ouvrages représentent bien les pistes que la recherche vernienne explore. Le tour du monde, l'écriture vernienne, machines et imaginaires, texte, image, spectacle, émergence du fantastique, la science en question, voir du feu, contribution à l'étude du regard, et finalement, humour, ironie et fantaisie. Déjà en 1976, François Raymond et Daniel Compère distinguait deux voies dans la recherche vernienne. La première direction est celle de la connaissance appliquée, inductive, opératoire, ouverte par Buteau en 1949, Moret en 60 et 63, poursuivie par Simone Vierne avec la première thèse de doctorat française sur Jules Verne en 1973. La deuxième voie est celle de l'inventaire, commencée par la collection Rencontres qui met à disposition des chercheurs plusieurs textes introuvables. La découverte aux archives de la censure de la Troisième République de 2 pièces considérées comme perdues, mais connues par les critiques de l'époque de leur création, permet leur publication en 1981. Et grâce aux manuscrits nantais, des œuvres inédites sont publiées par le Cherche-Midi, comme le voyage en Angleterre et en Écosse, les poésies, l'oncle Robinson, etc. Le reste des manuscrits inédits fait l'objet en 1992 d'une publication en 3 volumes et contient des synopsis, des pièces,
des romans inachevés et des nouvelles. En 1994, la découverte du manuscrit de Paris au XXe siècle permet un coup médiatique et la publication de romans inconnus du public dont les spécialistes connaissaient l'existence par le titre seul. Le manuscrit est acquis par la ville de Nantes en 2000. La découverte et la publication de textes introuvables ou inédits nourrit la recherche qui remet en question des faits considérés jusqu'alors comme vrais et qui deviennent des légendes, qui découvre en Jules Verne un auteur passionné de politique et de sociologie, épris de liberté et se prenant rarement au sérieux, jouant sur les mots et remplissant de clins d'œil ses romans et nouvelles en les camouflant si bien qu'il a pendant longtemps été considéré comme un auteur bien pensant qu'on peut mettre entre toutes les mains. Dans la foulée de Raymond Roussel, les exégètes découvrent en Verne un précurseur du roman moderne, un précurseur du surréalisme et du collège de pataphysique, qui, en 1961, célébra en grande pompe le centenaire de la découverte du pôle Nord par le capitaine Hatteras. À côté des assemblées de la société Jules Verne, les spécialistes et chercheurs verniens ont commencé à se retrouver autour de colloques, dont les premiers furent ceux de Nantes en 1975, d'Amiens en 1977 et de Cerisy-Lassalle en 1978. L'ésotérisme n'a pas épargné Jules Verne, le grand initié. Mais initié par qui? Des extraterrestres ou des gardiens du trésor des rois de France? Au tournant du siècle et du millénaire, les deux plus importants événements pour la recherche vernienne, assortis avec la publication des textes correspondants, resteront la découverte des manipulations et modifications parfois totales des romans et nouvelles posthumes de Jules Verne par son fils Michel, et la mise à disposition du public de la correspondance entre Jules Verne et les deux Hetzel. Les spécialistes de Jules Verne considèrent par exemple que l'agence Thomson & Co. et l'étonnante aventure de la mission Barzac ont été entièrement rédigées par Michel Verne. Jusque vers le milieu des années 1980, on ne doutait point que les romans et nouvelles publiés par Hetzel après la mort de Jules Verne ne fussent de la main de ce dernier. Or, des titres comme l'agence Thomson ou l'étonnante aventure de la mission Barzac ne font pas partie du corpus vernien. Les chercheurs de la société Jules Verne ont retrouvé les manuscrits des romans et nouvelles rédigés de la main de Jules Verne avant les tripatouillages, le mot est d'Olivier Dumas, de Michel Verne et les ont publiés dans ses ouvrages par la société Jules Verne. La correspondance entre Jules Verne et Pierre-Jules Hetzel a été publiée de 1999 à 2002 sous forme de 3 volumes qui sont et seront une des bases de la recherche vernienne. 2 autres volumes ont paru en 2004 et 2006, contenant la correspondance de Jules avec son fils Michel et de son fils Michel Verne avec Louis-Jules Hetzel. Ces 5 volumes constituent une des pierres angulaires de la recherche sur Jules Verne et, incontournables, sont une partie du corpus vernien. Hors de France, en Europe, la plupart des recherches et des études sur Jules Verne sont le fait de membres de la société Jules Verne. En Italie, à la suite des pionniers Turiello, Marcucci, Ricca, Piero Gondolo della Riva, qui, non content de créer la plus considérable et prestigieuse collection de Jules Verne, est devenu, grâce à cette collection, un des meilleurs spécialistes de Jules Verne. Cette collection a été vendue à Amiens Métropole en 2002, elle est gérée par la bibliothèque municipale d'Amiens. D'autres collectionneurs, comme Philippe Burgot en France
et Eric Weissenberg en Suisse exploitent leurs collections et font partager leurs études et découvertes aux autres chercheurs et spécialistes verniens. Si la première révolution culturelle fut l'écriture, la deuxième, l'imprimerie, la troisième est Internet, qui abolit les distances et le temps. La recherche vernienne, dans la dernière décennie du XXe siècle, devient planétaire. Et bien que la France soit toujours la source de l'information primaire, les études sur Jules Verne se multiplient, en particulier en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et dans les pays anglo-saxons. Le meilleur spécialiste vivant de Jules Verne, selon Christian Schellbourg, est allemand. Véritable détective, Volker Dees a découvert quantité de textes inconnus, insoupçonnés, et a enrichi la recherche vernienne en les mettant dès 1979 à disposition des chercheurs et en publiant nombre d'études pertinentes, tant en français qu'en allemand. De Belgique, dès 1955, Robert Pourvoyeur s'est imposé comme le spécialiste incontesté du théâtre vernien, et ses ouvrages et articles, aussi bien sur Offenbach que Verne, font autorité. Il publie en 1988 la meilleure biographie disponible à l'époque en néerlandais. Aux Pays-Bas, une société Jules Verne a été fondée au début des années 1990 et dès 1994 a publié, et publie encore un périodique trimestriel de Vernian. En octobre 1999, la Jules Verne Genootschap a publié une bibliographie des nombreuses éditions néerlandaises de Jules Verne. Cet ouvrage, richement illustré en couleurs, est un outil indispensable, non seulement pour les collectionneurs, toujours très nombreux, mais aussi pour les chercheurs. Les pays anglo-saxons ne sont pas en reste. Dès le milieu des années 1960, Walter James Miller a découvert avec horreur la qualité criminelle des traductions anglaises. Et il a préfacé, annoté et édité plusieurs éditions de 20 milieux sous les mers, dont l'une reste la première édition critique d'un roman de Jules Verne. En effet, se basant sur la mauvaise traduction de Mercier Lewis, qui ne contient que les trois quarts du texte, il publie le roman complet, annotant les passages défectueux et y ajoute les variantes, parfois importantes, entre le texte de l'édition pré-originale du magasin et celui de l'édition en volume de Hetzel. Après la période des biographies, inspirée de la biographie fallacieuse de Marguerite Allotte de La Fuye, plusieurs ouvrages, non plus des biographies, mais des études littéraires, paraissent tant aux États-Unis qu'en Grande-Bretagne, la plupart au titre significatif, image de l'effort poursuivi pour réhabiliter Jules Verne comme écrivain, alors qu'il était presque exclusivement considéré comme un fournisseur de scénarios pour Hollywood. Andrew Martin, Art Evans, Brian Taves, Steve Michaluk, William Butcher, Terry Harpold, Marie-Hélène Huet rejoignent ce que Walter James Miller a appelé en 2002 le « Rescue Team », l'équipe de secours destinée à sauver Jules Verne d'un naufrage hollywoodien total. Sortant des sentiers battus, le Britannique Andrew Martin propose en 1985 et 1990 une lecture des romans verniens à la fois surprenante et inattendue. Avec son Jules Verne Rediscovered, Art Evans ouvre une brèche en 1988 où s'engouffrent William Butcher et Brian Taves. Butcher, une fois sa thèse publiée, va produire une série d'excellentes traductions de 20 milieux sous les mers, du voyage au centre de la Terre, du tour du monde en 80 jours, toutes avec des notes et des commentaires apportant au public anglo-saxon les dernières découvertes verniennes et se basant sur les textes d'origine, manuscrits lorsque c'est possible, éditions pré-originales et originales. Et Brian Taves, avec son ami Steve Michaluk, va publier un ouvrage indispensable au public et chercheurs anglo-saxons,
une encyclopédie qui est en même temps une tentative réussie d'inventorier les éditions britanniques et américaines de Jules Verne. En 1993, la société Jules Verne renaît aux États-Unis sous le nom de North American Jules Verne Society. Et d'un groupe de collectionneurs, elle a évolué vers une société de chercheurs et de spécialistes qui a publié en 2003 la première traduction en anglais de Voyage à travers l'impossible. Parallèlement, des membres participent à l'édition et à la publication de nouvelles et bonnes traductions de romans et de pièces de théâtre en mettant à disposition du public anglo-saxon un éventail toujours plus large de la production vernienne. C'est ainsi que depuis quelques années, Art Evans dirige une collection chez Wesleyan University Press où plusieurs titres nouveaux de Verne ont paru. Et Frank Morlock a traduit les pièces de théâtre en les mettant pour la plupart à disposition par Internet. La prolifération des sites Internet n'a pas laissé les internautes indifférents. Et plusieurs dizaines de sites sont consacrés à l'auteur des Voyages extraordinaires. Un site mérite une mention particulière et son auteur fut nommé membre d'honneur de la société Jules Verne nord-américaine en 2002. Zvi Harel, d'Israël, a développé un site qui couvre les besoins de tout amoureux de Jules Verne en mettant à disposition une bibliographie complète des œuvres de Jules Verne. Plusieurs textes de Verne, plusieurs dizaines de textes de chercheurs comme William Butcher et Art Evans et des pointeurs vers d'autres sites consacrés à Jules Verne. La qualité du site de Zvi est telle qu'elle a eu les honneurs des premières pages du Figaro et du New York Times. Connecté à ce site, un forum Jules Verne permet à plus d'une centaine de Verniens de communiquer, de dialoguer, de poser des questions et souvent d'obtenir des réponses rapides, évitant des recherches longues et fastidieuses. Pour supporter les recherches verniennes, 4 bibliographies ont paru. Même si les récentes biographies contiennent la liste des œuvres de Jules Verne, les 2 volumes de Pierrot restent indispensables. En 80, paraît aux États-Unis le premier ouvrage recensant les œuvres et surtout la documentation à propos de Jules Verne. Une décennie plus tard, une bibliographie documentaire sur Jules Verne est publiée par le Centre de documentation d'Amiens. Et le plus récent outil de travail de ce genre est bilingue, dû à la patience et l'érudition de Volker Dees. En 2005, nous célébrions à Amiens le centenaire de la mort de Jules Verne. À l'occasion de ce mondial Jules Verne, organisé tant bien que mal par le Centre international, des spécialistes et des fans de Jules Verne se retrouvèrent venus de tous les coins de la planète. Cette date marque un tournant dans les recherches verniennes, car ce fut la première fois qu'une réunion avec Jules Verne comme thème a fait se réunir des participants venus de plusieurs continents, avec des langues et des cultures différentes. De fait, mais ce congrès-ci à Barcelone est la 2e manifestation de ce genre. Un siècle après la mort de l'écrivain, pratiquement la quasi-totalité, mais pas tout à fait, de ses œuvres est publiée avec une attribution correcte des œuvres posthumes. Les chercheurs ont enfin la possibilité de consulter en ligne les textes authentiques et originaux, sources fiables sur lesquelles ils peuvent baser leurs études. 4 ressources sont et seront à la disposition des chercheurs. La plus grande partie des manuscrits de Jules Verne est déposée à la Bibliothèque municipale de Nantes, qui les a mis en ligne le 31 mars 2009. La Bibliothèque nationale de France a offert aux chercheurs du monde entier un outil unique nommé Gallica, à travers lequel on peut accéder et décharger des manuscrits comme 11 jours de siège, le tour du monde à 80 jours, mis en ligne en janvier 2012, et la partition complète du Colin Maillard, 2124 pages, mise en ligne en avril 2013. Une 3e source sera constituée par les documents
qui se trouvent à la bibliothèque municipale d'Amiens, qui prévoit aussi de les mettre en ligne dans un avenir que nous souhaitons le plus proche possible. Enfin, le géant informatique Google écume les bibliothèques, surtout universitaires, et met en ligne sous le nom de Google Books des ouvrages numérisés et dans le domaine public. La recherche se poursuit, en particulier par des éditions critiques où les manuscrits seront considérés, ainsi que les publications pré-originales dans les débats, le temps et surtout du magazine d'éducation et de récréation. Les manuscrits de Verne constituent un premier état de son texte qui a parfois fait l'objet d'une copie et toujours de nombreuses corrections sur plusieurs jeux d'épreuves. Cette étude génétique des manuscrits a été inaugurée en 2005 par Philippe Scheinhardt avec sa thèse « Jules Verne, génétique et poétique ». Les éditions critiques ou commentées ont paradoxalement commencé à être diffusées dans les prix anglophones parallèlement aux publications de la société Jules Verne. Elles ont ensuite essaimé en Allemagne, en France et dans d'autres pays. Il est aujourd'hui inconcevable de publier une œuvre de Jules Verne sans son appareil critique. Ces activités de recherche et de promotion de l'écrivain sont supportées par les sociétés ou clubs Jules Verne couvrant la planète. L'essor des sociétés françaises, néerlandaises, allemandes, polonaises, japonaises, américaines, hispaniques, et j'en oublie, constitue la démonstration que Verne continue à être lu et étudié. Pratiquement toutes s'efforcent de mettre à disposition de leur environnement linguistique et culturel des traductions de bonne qualité de textes verniens moins connus, comme le conte de Chantelaine, San Carlos ou des pièces de théâtre. En parallèle avec les activités de ces sociétés et clubs organisés sur une base linguistique, les commémorations et réunions se poursuivent, soit pour commémorer un anniversaire, soit pour partager des recherches comme nous le faisons ici. Mentionnant les efforts de Philippe Mustière, qui malheureusement n'est pas avec nous comme il l'avait souhaité, à Nantes, où depuis plusieurs années, il organise des conférences pluridisciplinaires autour de Jules Verne. Cette approche pluridisciplinaire est aussi celle du jeune club Verne d'Amiens, qui replace Jules Verne dans son contexte social et temporel. Pendant des décennies, des centaines d'ouvrages et d'articles ont été consacrés à l'œuvre de Jules Verne, comme si elle était un îlot isolé au milieu d'un océan. Cela est en train de changer et plusieurs des communications prévues ici le démontreront. En 2008, s'est ouvert un troisième centre de recherche sur Jules Verne, après Nantes et Amiens. L'espace Jules Verne de la Maison d'Ailleurs est situé à Yverdon-les-Bains, en Suisse. La Maison d'Ailleurs est le seul musée public et centre de recherche sur la science-fiction, l'utopie et les voyages extraordinaires en Europe. Fondé par le spécialiste de science-fiction Pierre Versin en 1976, la Maison d'Ailleurs possède plus d'une centaine de milliers d'ouvrages consacrés à la science-fiction et à Jules Verne. L'inauguration de l'espace Jules Verne, qui réunit la plus importante collection de littérature secondaire sur Jules Verne, eut lieu en octobre 2008 avec la participation de nombreux spécialistes verniens comme Volker Dees, Jean-Yves Paumier, Jean-Pierre Picot, Agnès Marcetto, Philippe Burgot, Ian Thompson, Terry Harpold, Philippe Valtou, Philippe Scheinhardt et Gam de Vries. Nous voici arrivés au terme de cette histoire des recherches verniennes. Ces dernières ne sont pas terminées et vont se poursuivre au fil des années. J'aimerais terminer avec la même image qu'au début, celle de la page de titre de Verniana. C'était en 2005 au Mondial d'Amiens. Zvi Harel était fêté et entouré de tous ses amis. Et nous décidions alors la création d'un périodique de niveau académique, donc peer-reviewed, et multilingue, consacré uniquement aux recherches sur Jules Verne. Zvi le mit en chantier, lui fournissant le titre, son numéro international ISSN et son aspect. Il fut décidé que ce périodique ne serait disponible
disponible qu'à travers Internet, l'impression sur papier étant le fait des lecteurs. Nous avons décidé de commencer avec des volumes annuels, utilisant la date de naissance de Jules Verne comme début de chaque cycle. Or, le 8 février 2008, Zvi succombait à une attaque cardiaque. Son épouse Zahava me demanda alors de terminer le travail et 20 jours plus tard, les premières pages de Verniana étaient mises en ligne. 5 volumes ont déjà été publiés et nous sommes dans la période du 6e volume, qui sera bouclé le 28 février 2014. Ce volume et les suivants sont à votre disposition pour publier à l'avenir les résultats de votre recherche vernienne après un processus de peer reviewing anonyme qui fonctionne très bien. Merci. Seguiré en català, no vull fer... La meva intervenció serà molt curta. No podia deixar de donar-vos la benvinguda a aquesta reunió per parlar sobre Jules Verne, que ha estat una mica l'ànima de tots quan érem joves i d'alguns quan no ho som tant. I us volia dir dues coses només. No volia pas avançar-me res del que els experts diran després en cada un dels seus àmbits, però una presentació curtíssima de l'Institut. L'Institut és l'Acadèmia Catalana de les Ciències i les Humanitats. Està constituït per 200 de membres, gairebé 100 de membres corresponents, que s'agrupen en 5 seccions que abasten tots els àmbits de les ciències i les humanitats. Té 28 societats filials, una de les quals està aquí representada per membres que han participat en aquest congrés, en aquest primer i segon congrés internacional bernià. I bé, és, en certa manera, és la primera editora científica en català d'Espanya, dels Països Catalans, si voleu, o d'Espanya i França, perquè també hi tenim una part de territori allà. Dit això, el que us volia és fer una petitíssima contribució el que jo puc fer, el que jo sé, des del meu camp de l'ecologia marina, que és el meu àmbit, i de l'ecologia en general, dos aspectes que segurament no són nous, que Jules Verne, amb dues novel·les, com va fer pràcticament en totes, va destacar i que quan jo les vaig llegir fa moltíssims anys, naturalment no em vaig adonar, però que he descobert posteriorment. La lectura, com devia passar a molts de vosaltres, la lectura de, per exemple, 2.000 lleues de viatge submarí, va coincidir amb la meva descoberta del mar i segurament va influir moltíssim amb el fet de que la meva carrera fos de biòleg i després d'ecòleg marí. En un dels capítols de 20.000 lleues de viatge submarí apareix aquesta reflexió que no és pròpia, ell mateix Verne fa la referència, entre d'altres, a Toussanel, on explica que l'explotació de manatís, de sirenis, a diferents llocs del món, bàsicament aquests animals, aquestes vaques marines, viuen en zones costaneres sobre praderies de fanerògames, que són les que mengen, l'aniquilació per part de l'home d'aquests animals ha provocat o pot provocar el fet de que finalment els mars estiguin empestats, diu ell, i proliferin tota una sèrie d'organismes que no són els que hi ha perquè falta aquesta baula principal, important, de la xarxa tròfica. Això avui dia ho sabem, malgrat que ja fa molt temps que s'havia esmentat, de manera que si els controladors de les xarxes tròfiques, que bàsicament són els grans depredadors, falten, tot el sistema queda alterat. Aquí teniu un esquema, però en tenim, per desgràcia, tenim molts exemples, alguns dels quals tenen a veure amb espècies que consumim, que són pescades i són
eliminades dels nostres mars, de manera que la situació natural, que ja no la trobem en lloc, que és la que es veu a la part esquerra de la imatge, queda substituïda per la situació actual, que és, doncs, té un nombre molt més baix de nivells tròfics. Han desaparegut molts dels nivells que hi havia abans, el bacallà, per exemple, a moltes costes, com a les costes d'Atlàntiques, d'Amèrica, no es recupera, per raons que ara no hi entraré, i en aquest cas concret, aquí les espècies que se n'aprofiten són, doncs, els arencs i alguns altres, però sabem perfectament que les proliferacions de meduses a alta mar, que de vegades arriben a les nostres costes, tenen molt a veure amb aquesta eliminació de grans depredadors i amb altres fenòmens que ara no, tampoc no esmentaré. L'altra referència és aquesta, és d'una obra segurament no tan coneguda, de Jules Verne, on els càlculs sobre el possible pas d'un asteroid prop de la Terra amenaça, segons els càlculs d'un dels protagonistes, de fer canviar l'eix de rotació de la Terra, la qual cosa, amb les previsions corresponents de desgel de l'Àrtic, fa que s'estableixi una companyia que es dedica a comprar terrenys que en aquell moment estan totalment gelats i que en el futur potser no ho estaran i, per tant, seran terrenys que guanyaran valor. Naturalment, això, per sort, que sapiguem, no va per aquí, però el que sí hi ha és que una cosa que Jules Verne no va preveure, que jo sàpiga en cap de les seves obres, era el canvi climàtic, i el canvi climàtic amenaça, com sabem, amb la fusió de les geleres continentals, dels gels de l'Àrtic i de l'Antàrtida. I les previsions són que, efectivament, ja sabeu, això amb un episodi clarament bernià, que Verne hagués pogut preveure, que els russos fa pocs anys varen plantar una bandera russa sota l'Àrtic per dir, ep, aquí estem nosaltres, quan això es descongeli tenim drets, ja veurem si el Canadà i altres països escandinaus o altres els deixen. No? Doncs bé, això ens afecta o ens afectarà de moltes maneres i una d'elles potser caldria que es tinguessin en compte, perquè els recorreguts per via marítima de bona part dels materials doncs, fabricats, vehicles, el que sigui, que ens arriben dels tigres asiàtics, bàsicament de Corea, de la Xina, altres llocs, i que ara doncs, estem ampliant, ja fa temps, el port de Barcelona, ahir mateix es comentava l'extensió del tren perquè pugui arribar al port i pugui distribuir per tota Europa els contenidors que ens arribaran via Suez. Si això s'arriba a produir, si aquest desgel s'arriba a produir, la via Suez serà tan poc econòmica com ho és ara la via a través del Cap, de manera que coreans, xinesos, qui sigui, segurament passaran per l'Àrtic com amb un canvi digne del final d'alguna novel·la de Jules Verne, amb un canvi de perspectiva geogràfica de la que tenim ara i que ens demostra que cal comptar amb totes les possibilitats i no només amb el petit canvi, diguem-ne, continu de les que tenim actualment. Bé, només us volia fer present aquestes, penso que això és tot, oi? Sí. Aquestes dues consideracions per no donar-vos la benvinguda d'una manera freda i fer la meva petita aportació, per si alguna cosa val, amb aquest simposi, que espero que tingui molt d'èxit i que aniré entrant i sortint per escoltar les comunicacions que ja he vist que són força interessants. Moltes gràcies i bona feina.